aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. J'aurais aimé avoir ton point de vue sur Prism, les répercussions de Prism sur la démocratie, Stellar Wind. Alors, les révélations sur l'affaire Prism sont intéressantes à plus d'un titre. Déjà parce qu'on a maintenant la preuve irréfutable de cette surveillance et de son caractère massif et généralisé. Pendant 10 ans, on a collecté des preuves, des témoignages. On a eu des informations plus ou moins probantes. Aujourd'hui, c'est un document marqué Top Secret slash No Form, qui est la preuve irréfutable. Ce chiffre de 97 milliards d'éléments d'informations juste pour le mois de mars 2013. Pendant 10 ans, on s'est fait traiter de conspirationniste. Aujourd'hui, on sait que c'est la vérité. Mais ça, c'est l'élément essentiel pour pouvoir commencer un débat public sur le sujet de la surveillance de masse et espérer éventuellement revenir en arrière sur cette spirale ultra-sécuritaire et paranoïaque impulsée par les États-Unis et les marchands de canons à la suite du 11 septembre 2001. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a maintenant la preuve irréfutable de la participation des géants du web, de Google, Facebook, Apple, Skype, etc., dans cette surveillance de masse. Et donc, la preuve, une fois encore, par A plus B, que l'on ne peut pas faire confiance à ces entreprises pour protéger sa vie privée, pour protéger ses données personnelles et ses communications personnelles, pour protéger ses libertés fondamentales, au sens large. Quand bien même on comprendrait l'intégralité des conditions générales d'utilisation de ces services, au milieu, il y a un gros trou noir, qui est le droit américain, le FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, et c'est la loi l'amendant en 2008, qui dit explicitement que lorsqu'il s'agit de données de citoyens non US stockées sur des serveurs US, les services de renseignement peuvent y accéder, quel que soit le motif, sans rien demander à personne. Je te coupe. Est-ce que tu penses que les législateurs français, nos hommes politiques, sont suffisamment équipés intellectuellement parlant ou suffisamment formés pour comprendre ce qui est en train de se jouer? Attends, un point avant ça, Vas-y. parce qu'on oublie de le rappeler quand on parle entre nous. Pourquoi il est essentiel de protéger notre vie privée? Ça sonne comme une tautologie pour ceux qui sont habitués à ces concepts-là. Il faut voir que la protection de la vie privée est une liberté fondamentale ici en Europe. Pourquoi c'est important? Parce que la protection de la vie privée implique la mise en œuvre d'autres libertés. Sans protection de la vie privée, on ne peut pas efficacement user des autres libertés qui sont par exemple la liberté de rassemblement, la liberté de mouvement ou tout simplement la liberté d'expression. Si vous savez qu'il y a toujours quelqu'un par-dessus votre épaule quand vous tapez, vous n'allez pas dire tiens, le gouvernement fait de la merde ou j'ai vu telle information qui me semble suspecte ou si l'on allait creuser dans les finances de tel ou tel organisme. De la même façon que vous n'irez peut-être pas à une réunion d'un parti politique ou de quelque groupe que ce soit, si vous savez que le public ou qui que ce soit d'autre puisse être au courant. Donc la protection de la vie privée, je dirais que c'est une liberté fondamentale, peut-être encore plus fondamentale que les autres, à côté de la liberté d'expression, car toutes les deux, elles sont une composante essentielle non seulement de la démocratie, mais aussi de l'exercice de toutes les autres libertés. Et donc là, on a un véritable enjeu de société. Pour répondre à ta question, est-ce que les gouvernements, est-ce que les politiques sont équipés pour comprendre cela? Je répondrai non. Parce que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Personne n'est capable de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur aujourd'hui. Déjà parce que les ordinateurs qu'on a dans les poches, avec leur puce baseband, sont complètement fermés. On n'a pas accès aux spécifications, on ne peut donc pas les contrôler. Il s'agit des puces essentielles qui émettent et reçoivent des flux, que ce soit de la voix ou des données. Donc personne aujourd'hui n'est en mesure de dire comment fonctionne un ordinateur. Et quand bien même on mettrait les millions d'euros nécessaires à comprendre le fonctionnement de ces puces, d'une seconde sur l'autre, le fonctionnement est susceptible de changer. Donc on n'est pas capable de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs, de la même façon qu'on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne Internet. On peut en connaître des bribes, des éléments, chercher à en comprendre le plus possible, évidemment un objectif. On peut comprendre comment marche TCP/IP, comment marche le routage BGP, comment se font les deals de bande passante, etc. Mais comprendre l'ensemble des interactions technologiques et humaines que
que l'on appelle Internet est quelque chose qui, par définition, dépasse notre entendement. Alors, quand on voit des conflits entre des intérêts divers, que ce soit des intérêts industriels, des intérêts politiques ou l'intérêt général, qu'on a d'un côté les marchands de canons qui vont aller « Oh là là, terroriste, etc. Il faut mettre ceci, cela, cela. » éventuellement emboîté avec le pas emboîté par des associations, des organisations, pardon, des institutions comme la NSA ou l'armée ou des choses comme ça. Comment peut-on imaginer que un politicien va être en mesure de se dire non, attendez, l'intérêt général c'est la défense des libertés fondamentales, liberté fondamentale c'est la défense de la vie privée, et là il y a un conflit, c'est impossible. Donc là on est dans un rapport de force qui est par nature politique. Et quand on dit politique, hélas, on est souvent un petit peu en dehors de la rationalité, où il ne s'agit pas simplement de comprendre les enjeux et d'appliquer les solutions qui semblent optimales, mais où il s'agit d'un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est les citoyens du monde entier face aux marchands de canons et à certains membres de l'administration US, certains membres de l'administration dans les gouvernements européens. Donc c'est vraiment un rapport de force politique qui est assez mal engagé pour nous. Pourquoi ? Parce que tout a été parfaitement pensé et mis en œuvre. Il y a ce bouquin de Naomi Klein qui s'appelle The Shock Doctrine. Stratégie du choc, où l'on explique très bien comment utiliser des chocs émotionnels dans l'opinion publique pour imposer des mesures qui seraient sinon injustifiables, inacceptables. Que cette stratégie est parfaitement maîtrisée par les communicants qui conseillent les politiques et a été mise en œuvre régulièrement par paliers depuis le 11 septembre 2001 pour solidifier un acquis de dispositions sécuritaires et que revenir en arrière va être extrêmement difficile. La situation économique se tend à l'échelle mondiale, les peuples se révoltent, ce qu'on a appelé les printemps de jasmin, les printemps arabes, tous les éléments de langage pour décrire un peuple qui se soulève parce qu'il n'a plus rien à bouffer, parce qu'il est un état corrompu à sa tête. Est-ce que tu ne penses pas que les services de renseignement, adossés à un pouvoir corrompu avec lobbyistes et tout l'arsenal qui va avec, est-ce que tu ne penses pas que c'est une façon comme une autre d'avoir une cavalerie sécuritaire pour encadrer une population, pour passer un moment difficile de la mondialisation économique, c'est-à-dire faire du data mining pour identifier les humains contestataires. Bien sûr que si. Surveillance égale contrôle. On l'a vu partout dans l'histoire. C'est l'histoire de la Stasi, c'est l'histoire des polices secrètes dans tous les régimes autoritaires. On surveille les individus, pas pour le plaisir, on les surveille pour mieux les contrôler. Et ça, c'est un grand classique. Le jour où tu entres en politique, tu commences à te rebeller, tu commences à contester un petit peu l'ordre établi, le gouvernement, et il y a deux personnes qui frappent à ta porte, qui disent « Vous voulez vraiment qu'on expose tel et tel et tel élément de votre vie privée au public ?» Alors fermez votre gueule. C'est en général la première étape, avant de passer à la violence physique. Donc ça va être compliqué de faire de la politique et de porter des valeurs pour notre génération. Il va être compliqué d'entrer en politique pour qui que ce soit, oui. On voit déjà aujourd'hui, à cette stat qui est sortie il y a quelques jours, qui montre qu'un jeune sur 10 s'est déjà vu refuser un boulot à cause de son profil Facebook. Donc, vous imaginez, faire refuser un boulot, c'est quand même quelque chose de pas très exceptionnel, c'est quelque chose de banal. Alors, imaginez quand un de ces jeunes va essayer d'entrer en politique. Alors, d'une certaine façon, et je voudrais pas là me faire l'avocat des théories post-privacy, parce que je pense que c'est de la foutaise, mais d'une certaine façon, dans 10 ans, entrer en politique, quand on vous dira « Ouais, mais vous avez eu une relation extra-conjugale, ouais, mais vous avez fumé un pétard, ouais, mais ceci et cela », ces choses-là seront beaucoup plus acceptées, je pense, à mesure que les gens auront volontairement diffusé ce genre d'informations. Et en même temps, ce que l'on est en train de faire, c'est une espèce de réflexion globale sur des valeurs qui sont universelles. Quand je dis « on », c'est « on les internets », quelque part. Sans chef, sans leader, sans parti, sans rien, on voit d'un côté qu'il y a les technologies qui libèrent, qui sont basées sur le partage de la connaissance, sur l'ouverture et sur l'universalité de la potentialité de participation. De l'autre côté, les technologies qui contrôlent, les technologies qui surveillent, qui sont basées sur la centralisation et sur la fermeture. Et les valeurs que l'on pousse, alors là je vais parler en tant que porte-parole de la Quadrature du Net, quand on pousse ces valeurs de défense des libertés fondamentales,
qu'on pousse ces valeurs du partage de la connaissance, c'est quelque chose qui résonne au-delà des frontières, au-delà des limites entre les partis politiques. Et peut-être que cet objectif-là, je pense que c'est un objectif de société par son caractère universel, peut-être est quelque chose qui, au bout du compte, sera plus fort et qui saura s'imposer face à ce qui n'est, au bout du compte, que la somme d'intérêts particuliers, d'intérêts sectoriels. Oui, la vente de canons, enfin, aujourd'hui, on vend plus des canons, mais des armes de surveillance massive. Oui, c'est des très gros contrats, c'est des AME-6, c'est des Blue Coat et des machins comme ça. Oui, c'est des contrats énormes. Oui, aux États-Unis, le budget de la défense, c'est, je sais pas quel pourcentage démesuré du budget global, ça embauche, je sais pas combien de centaines de milliers d'individus, etc. Mais ça reste un intérêt sectoriel, un intérêt particulier. Nous, ce que l'on défend en face, c'est un modèle de société. C'est l'intérêt général et c'est des valeurs universelles qui sont des valeurs démocratiques. On va parler de valeurs démocratiques. En France, les whistleblowers ne sont pas protégés, ou très peu, mis à part fiscalement parlant. Quand un gamin qui travaille à la NSA ou qui travaille dans l'armée fait fuiter aux États-Unis, il se retrouve torturé avec tout le manuel de la CIA qui peut être appliqué sur lui, privation sensorielle et ses fiches aussi. Comment la France, comment tu trouves la position de la France par rapport à ce qui s'est passé, je te prends le cas de Bradley Manning, pourquoi on n'a pas entendu la France à l'international pour dire « vous torturez au nom de la liberté » Le cas des whistleblowers, des lanceurs d'alerte aux États-Unis est extrêmement préoccupant. L'administration Obama a plus attaqué de whistleblowers, je crois, que toutes les administrations précédentes. C'est pas seulement Bradley Manning et le pauvre Edward Snowden qui risque de subir un sort similaire. Il y a Jocelyn Radak, il y a Thomas Drake, il y a Bill Biney, il y a tous ceux dont on n'a pas entendu parler, tous ceux sur qui la pression a été efficace avant que l'information ne fuite, tous ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'à devenir public pour être protégé par cette publicité. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant où on voit là le rapport de force qui se dessine autour de l'information. On sait que l'information, c'est le pouvoir, et en même temps, on constate que les gouvernements, et surtout le gouvernement US, utilisent de plus en plus du secret pour cacher des agissements qui sont soit des mensonges, soit des crimes. Donc d'un côté, il y a cette inflation du secret, et de l'autre, des citoyens qui ont entre les mains le pouvoir de faire éclater la vérité. On voit que le gouvernement US est dans une situation intenable. Il y a, je crois, 1,4 million de personnes aux États-Unis qui sont habilitées top secret. Et on a vu avec l'affaire Snowden, Snowden il bossait pas pour la CIA, mais pour Booz Allen Hamilton, qui contractait pour la CIA. On se souvient des Stratford, des H.B. Gary, les Raytheon, les Palantir, etc. C'est une myriade, c'est des centaines, sinon des milliers d'organisations privées qui partagent ces informations, donc tout le contenu de Google, de Facebook, etc., avec évidemment ce que ça implique pour le coup, vraiment pour la sécurité et la défense nationale, parce que des petits gars chez ces petites boîtes machin qui peuvent faire faillite comme ça du jour au lendemain sont 10 fois plus susceptibles d'aller revendre des trucs à des puissances étrangères que des gens qui sont au cœur de l'appareil d'État, et d'une. Et ensuite, ces gens-là sont plus enclins à révéler ce qu'ils voient. J'ose espérer que Edward Snowden et d'autres vont inspirer des gens aux quatre coins du monde, dans ce genre d'institution, qu'elle soit publique ou privée, à révéler des informations pour essayer d'endiguer cette inflation du secret et cette dérive techno-totalitaire. Est-ce que tu crains pour ta sécurité ? Non, parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai renoncé depuis longtemps. D'aller aux États-Unis ? Déjà, je ne vais plus aux États-Unis, enfin, pour la petite histoire, l'avant-dernière fois où j'y suis allé, juste avant la porte de mon avion, donc véritablement devant la porte de mon avion, trois agents du FBI sont venus me poser des questions sur Wikileaks. Et ils voulaient des informations sur le fonctionnement de Wikileaks, ils voulaient me transformer en un informateur, parce que je suis ami avec Julian Assange. Alors j'ai assez bien résisté à leur pression. Ils sont allés jusqu'à me faire « Have you ever been arrested? Have you ever been to jail ?» Ce à quoi j'ai dit « Écoutez, je défends des idées comme vous le savez, donc si ça implique d'aller en prison, allez-y, arrêtez-moi. »
Et ils m'ont finalement laissé repartir. Et c'est qu'après que j'ai réalisé que l'ensemble de leur intervention sur moi était complètement illégal. Ils m'ont pas montré de plaque, ils m'ont pas donné leur nom, ils m'ont même pas laissé leur vraie adresse email quand ils voulaient que je les contacte, une adresse bidon à yahoo.com. Et ça montre l'état de déliquescence des institutions américaines et combien leur laisser du pouvoir au-delà du contrôle citoyen, au-delà des valeurs démocratiques, conduit à des résultats qui sont complètement contraires aux valeurs de la Constitution qu'ils sont censés défendre. Donc moi, ma sécurité personnelle, il y a des choses auxquelles j'ai renoncé, de la même façon qu'à un moment, j'ai dû devenir une personne publique, entre guillemets, en faisant le choix de devenir porte-parole de quelque chose. Ça veut dire que voilà, je fais des interviews, on me prend en photo, on me cite quand je parle et des choses comme ça. Donc c'est renoncer à une partie de sa vie privée pour défendre une cause. Mais je pense que de la même façon, il y a des trucs en termes de sécurité où on ne peut pas passer son temps non plus à régénérer des clés, à faire des fresh installs, à checker les fingerprints des différents BIOS, des différentes puces. De toute façon, on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas les outils. Donc il y a un moment où il faut renoncer. Je ne dis pas que j'ai rien à cacher, mais j'ai très peu de secrets. Et la plupart de ce que je fais est public. Tu parles des institutions, j'ai encore deux petites questions. Mais j'aimerais juste rajouter un truc là-dessus. Allez-y. C'est que je me compare certainement pas à ces whistleblowers qui font des actes d'un courage qui nous dépassent tous. On voit quand Snowden parle, il sait qu'il risque sa vie, qu'il ne reverra peut-être plus jamais sa maison, sa famille, etc. Qu'il met en danger même sa famille en faisant ça, mais il dit « je dois le faire ». Je pense qu'on a tous, au fond de nous, cette étincelle de liberté, ce sens de justice, cette humanité, bon sens, qui peut nous pousser un jour à dire, d'un point de vue personnel, c'est vraiment pas une bonne idée, mais je dois le faire, et je vais le faire quand même. Et c'est ça le courage. Et c'est ça que disait Wikileaks en disant « Courage is contagious », le courage est contagieux. J'espère que c'est vrai, je pense que c'est la seule solution pour sortir de cette situation. Deux petites questions. La première, le rapport Jean-Marie Bockel, qui est beaucoup chargé sur les serveurs chinois, alors que les serveurs Cisco nous poutrent depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que tu penses qu'il a manqué de courage pour... Vas-y, enchaîne, sans prie. Alors, déjà, je n'ai pas lu la première et la dernière page, donc j'aurais bien du mal à en parler en connaissance de cause. Je pourrais me... rattaché à de précédents rapports parlementaires comme le rapport Laborde, il y avait aussi un rapport Carayon sur l'intelligence économique qui était assez bien ficelé et qui déjà touchait du doigt ces mêmes problématiques, que faire confiance à des technologies fermées, ça n'est pas compatible avec la démocratie et ça n'est pas compatible avec tout simplement la maîtrise de ces systèmes d'information. Donc que l'on parle des logiciels fermés de Apple ou Microsoft, des spécifications de puces fermées des routeurs Cisco, ZTE ou Huawei, ou des basebands à l'intérieur des téléphones. Ça, c'est une grosse question aussi. Je ne sais pas si Bockel a touché du doigt cet aspect-là. Le problème est le même. Le problème est le même qu'on externalise la confiance dans le cœur de nos infrastructures de communication à des entreprises qui répondent à d'autres, à d'autres impératifs, à d'autres objectifs que ceux de défendre les communications personnelles, les communications sensibles et critiques des citoyens français et des institutions en France. On a un vrai problème. D'un autre côté, je sais qu'on a un vivier de compétences loin d'être ridicule, par exemple à l'ANSSI. J'imagine qu'à l'ANSSI, ils doivent un tout petit peu se poser la question des ordinateurs de poche dits téléphones, et de leur rapport aux ondes, communication, activation à distance ou des machins comme ça. Les travaux de l'ANSSI sur des technologies qui concernent le grand public devraient être par défaut publiés en logiciel libre. Ce qui manque ici, c'est une politique industrielle qui viendrait articuler d'un côté la recherche en sécurité informatique qui se fait avec les moyens de l'État comme à l'ANSSI, et de l'autre, des objectifs de politique publique qui sont ceux de donner aux citoyens des outils leur permettant de reprendre le contrôle de leur information et de leur communication, à savoir logiciel libre, service décentralisé, chiffrement point à point,
Il faudrait articuler tout ça autour d'une politique industrielle un peu cohérente. Je ne sais pas si c'est à Montebourg qu'il faut secouer les puces ou directement à Jean-Marc Ayrault, mais leur dire, hé, les cocos, lâchez quelques petits millions de rien du tout pour aller arroser des projets de logiciels libres qui répondent à ces critères-là. C'est pas plus compliqué que ça. Les talents sont déjà là, les projets sont déjà existants. Il suffit d'arroser. Il n'y a même pas à planter des graines dans le sol. Il suffit d'arroser. Dernière question. Si tu avais un conseil pour les générations futures, un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, parle-leur, laisse-leur une bouteille à la mer sur Internet et donne-leur un conseil. C'est une vache de responsabilité. Apprendre à coder. Pour apprendre comment fonctionnent les ordinateurs et les systèmes d'information en général, je pense que c'est à peu près aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter aujourd'hui, et pas coder dans des machins visual schtroumpf, mais faire de l'algo, parler à la machine. Deux, lire Stallman, Moglen, Lessig. Et trois, en tirer les conclusions qui sont que la défense des libertés, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose d'éloigné, c'est encore moins quelque chose sur lequel on a pas prise, mais c'est quelque chose de bien réel et sur lequel on a une influence tous les jours par les choix que l'on fait. Et que la question au bout du compte, c'est quel monde on veut léguer à la génération d'encore après. Et que maintenant tout est entre leurs mains. Jérémy Zimmermann, merci. Non, elles sont bien tes questions, elles sont vaches, c'est bien. Ouais.